Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle intervention concernant l'interculturel en entreprise. Alors vous pouvez nous poser des questions en bas à droite de l'écran, j'y répondrai à la fin de l'intervention. Alors nous abordons l'interculturel en entreprise en Allemagne. Comment réussir dans une entreprise allemande? Ceci quand on a passé le processus d'embauche. Donc nous nous intéressons à comment s'insérer dans l'environnement de travail allemand. Alors, comment s'insérer dans l'environnement de travail allemand? Imaginons que vous ayez fait le pas de venir travailler au Turin, vous venez de décrocher un emploi en Allemagne, vous êtes très enthousiaste, mais vous avez aussi un petit peu d'appréhension. Est-ce que mes collègues allemands vont-ils m'apprécier? C'est un petit peu comme quand on va à l'école, le premier jour de classe, on ne connaît pas l'environnement dans lequel on va être plongé, il va falloir créer de nouvelles interactions, il y a un petit peu de stress au début. Alors, ce qui nous intéresse en particulier, c'est comment se préparer à la prise de poste en Allemagne. Bon, donc il y a plusieurs choses pour s'insérer, s'intégrer dans un nouvel environnement de travail allemand. Première chose, c'est bien sûr de bien connaître cette entreprise. Alors, comment faire? Alors, bien sûr, pour s'insérer dans ce nouvel environnement, vous l'avez peut-être déjà fait en entretien, mais faites-le un petit peu plus encore en détail. Intéressez-vous au secteur d'activité de l'entreprise. Allez donc chercher des informations sur le site internet de l'entreprise, dans la presse. Donc maintenant que vous avez accès au site internet de l'entreprise, vous pouvez aller aussi chercher des informations internes pour comprendre le fonctionnement de la société. Vous y trouverez aussi un organigramme qui va vous permettre de mieux comprendre votre positionnement en fonction de votre place, de votre fonction. Alors pour bien vous préparer, ce que je peux vous proposer également, c'est un outil qu'on appelle le Mind Map. Alors, qu'est-ce que c'est que le Mind Map? C'est une sorte de cartographie de votre nouveau contexte de travail. Alors, en quoi cet outil est-il utile et en quoi ça peut être intéressant de remplir donc cet outil pour mieux comprendre le contexte de travail? Alors, c'est un outil qui permet d'abord de se poser toutes les questions nécessaires avant de prendre son nouveau poste. Vous allez débarquer dans une nouvelle entreprise, vous allez avoir un flux de nouvelles impressions qui vont être présentes, des nouvelles personnes avec lesquelles vous allez être amené à travailler, un nouveau responsable, une nouvelle activité, de nouvelles fonctions et missions. Donc c'est bien de se poser, de prendre le temps de la réflexion. C'est un outil qui est très simple et très facile d'accès à utiliser. C'est un outil qui va vous permettre vraiment très facilement de bien cerner le périmètre de votre fonction et également l'enjeu de votre poste. Ça peut être par exemple de savoir avec qui vous allez travailler au quotidien, qui est mon responsable, quel est mon domaine d'intervention. Par exemple, si vous avez un poste commercial terrain, tout simplement répondre à la question combien de fois vous serez sur le terrain par semaine. Est-ce que ce sera lié à des déplacements localement, nationalement, à l'international, lors de foires et salons? Donc c'est un outil qui vous permet vraiment d'aller jusqu'au bout de votre réflexion. Ça va vous permettre d'avoir une vue d'ensemble de votre nouveau poste. Alors concrètement, comment se servir de cet outil? Par quoi commencer? Tout simplement, vous commencez par prendre une feuille de papier blanche. Vous la prenez à l'horizontale. Et au milieu, vous allez tracer un rond ou un camembert, si vous voulez. Vous allez écrire l'intitulé de votre poste. Imaginons donc que vous occupez un poste de commercial terrain. À la fin, vous allez voir, une fois que vous allez avoir répondu aux questions qui, quoi, pourquoi, comment, combien, quand, où, ça va commencer à ressembler à une sorte de soleil. Donc ces différents rayons solaires en fait, vont vous permettre de répondre aux différentes questions. Donc c'est ce que vous voyez qui va apparaître sur l'écran avec cette représentation, cet exemple de mind map. Il s'agit vraiment des questions essentielles à se poser. Qui, quoi, comment, combien, quand, pourquoi? Donc essayez de répondre à toutes ces questions et ça vous permettra d'avoir une vue d'ensemble beaucoup plus claire, de voir éventuellement ce qu'il vous manque. Alors, où trouver ces informations si vous vous rendez compte que vous ne les trouvez pas sur l'internet ou sur l'intranet lors de la première journée de prise de poste? Donc déjà, vous avez le responsable RH qui vous a recruté, c'est la première chose. Vous aurez également votre N+1, votre responsable direct, et bien sûr vos collègues directs. Donc vraiment, le premier jour, vous avez une posture d'observateur, observer, et éventuellement de questionnement de votre environnement, de votre entourage. Donc, posez des questions, intéressez-vous, c'est vraiment votre avantage quand vous arrivez dans une nouvelle entreprise. Donc, merci d'avoir participé à cette courte intervention pour vous aider à vous intégrer au mieux dans une entreprise en Allemagne, et on se retrouve également pour de nouvelles interventions. Je vous remercie.